La sœur Bilogi Colette. Il y a quelqu'un qui dit, mais on est en retard et le pasteur s'y perd encore le temps. C'est ton temps, c'est ton temps. Demande à ton voisin que c'est ton temps. Apprends à te reposer en crise. Laisse cesse d'être toujours nerveux, sous tension, sois calme. Dis à ton voisin, cool, relax. La sœur Bilogi Colette. Après avoir donné naissance à mon bébé, j'ai commencé à souffrir de crises mentales. Hey. Et ça, ce n'est pas forcément toujours les attaques mystiques, parce que l'enfantement, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle ça le travail. Amen. Oui. Ma famille m'a amené chez plusieurs marabouts et féticheurs en quête de solutions, mais en vain, mon état s'empirait. J'étais de plus en plus désorienté et déréglé. Je disais des choses insensées et personne ne parvenait à me maîtriser, tellement j'étais violente. À l'écoute de cette nouvelle, ma mère est venue me chercher en hâte au village où je vivais et m'a amené dans cette église. Le jour de mon arrivée, on m'a installé aux urgences et papa m'a imposé les mains et il m'a déclaré libre. Et elle dit, quelques jours seulement après, j'ai commencé à retrouver ma raison, à agir normalement. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, car depuis ce toucher jusqu'à aujourd'hui, je suis totalement libre, je parle normalement, je suis devenu calme, je viens pour cela le cœur rempli de joie. Dis infiniment merci au Seigneur Jésus qui m'a libéré de la folie. Si tu dis Amen, la flèche la rentre. C'est ta fille ici, hein? Ah oui, je me rappelle d'elle. Oh, aux urgences. Regarde-moi, tu es mon ami déjà. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bilogi Colette. Tu t'appelles Bilogi Colette. Tu causes comme les Français. Tu es béni. Elle est blanche. Tu ne peux pas les imiter, c'est leur patois. Tout ce qu'on fait ici, ça ne donne pas. C'est permanent. Bon, tu as teinté les cheveux ou c'est naturel? J'ai teinté, papa. Jésus a gagné. C'est ta grande fille ici. Maman, c'est elle qui me soutenait lorsqu'elle souffrait avec papa Molo. C'est à mes côtés. Hein? Tu sais ce que je suis en train de lui demander? Ce que je lui demande est bizarre. Ce que je lui demandais bizarre. Qu'est-ce que je te demandais? Est-ce que tu as déjà marché la tête en bas? Tu as dit non, n'est-ce pas? Oui. Tu as dit non. Oui. Mais je dis, je vois un rêve où tu rêves, ta tête est en bas. Merci. Tu as dit oui. Oui. Que tu as rêvé, tu marchais avec la tête. Hein? Oui. Quand je l'ai touché comme ça, ce sont les pieds que j'ai vus en haut et la tête en bas. Viens ici. Ça, c'est une grande sorcellerie. Viens ici. Quiconque veut t'initier, ça l'attrape. Ça l'attrape. Il y a des sorciers de très haut niveau que si tu es un Chanel, tu frappes. Tu penses que c'est sa tête tu as touché. Non, sa tête est en bas. C'est quoi? Ta famille, c'est des sorciers. Oui. On veut t'initier. Do they want to initiate you? Tu viens à l'église ici? Oui. You come to church. Depuis combien de temps? For how long now? Depuis cette année. Cette année. Oui. Since the beginning of this year. Satan, lâche là. Satan, lose. Lâche. Lose. Celle-ci, je l'arrache de vos mains. I see this one for vous vomissez ses étoiles et son destin. Son éclat. Quiconque dit Amen, ton éclat est libéré. Quand tu marchais avec la tête dans le rêve, là, tu allais où? Tu étais avec qui un et tu allais où? Je voyais beaucoup de gens. Tu voyais des gens, hein? Oui. Eux aussi, ils marchaient avec la tête. Oui. Levez-la, celle-ci, ça ne va pas. Quand le Seigneur te libère, là, toute ta vie sort de leurs mains. Tu comprends, maman? Oui. Tout ton éclat sort, toutes tes lumières, tout ce qui te concerne. Amen. Ça, lâchez-la. 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 C'est fait. Acclame le Seigneur. Hey.
Whoa, 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 whoa.